Aujourd'hui nous sommes le mardi 12, il est 8h45. Je me prépare rapidement une infusion parce que je vais travailler et j'ai beaucoup de travail ce matin et je pense que cet après-midi aussi. Donc je vais me prendre une infusion pour pas oublier de boire parce que sinon je vais oublier de boire. Oui, vous entendez bien, sinon j'oublie de boire. Le matin quand je suis trop dans le boulot, j'oublie de boire. Et du coup après, toute la journée, j'ai des crampes. Voilà, comme ça vous savez tout. Je me dépêche parce que vraiment, ouais, ce matin, j'ai pas mal de commandes. J'en ai en tout 28. C'est énorme, hein, 28 commandes à traiter. Donc après, je suis hyper contente. Hein, j'adore quand j'ai beaucoup de commandes et tout. Mais il faut que j'y aille, quoi. Il faut que ça débite, tu vois. Et il faut pas que je traîne. Donc je me dépêche. J'ai déposé les enfants à l'école. En ce moment, ils ont trop du mal à se lever, c'est un calvaire. C'est un calvaire pour qu'ils se lèvent en ce moment. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent plus se lever. Nolan, c'est pire que tout. Lui, lui, il galère de ouf. Et Aria, elle râle tous les matins. Voilà, donc c'est pas évident. J'espère que vous n'allez pas avoir la bougeotte. Voilà, je vais pas avoir le temps encore de maquiller aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le ferai quand j'aurai 2 minutes. Pour mon infusion, je vais faire celle-ci, la détox de chez Keeper aux fruits rouges. Vous savez, je vous la présente souvent celle-ci. J'adore vous préparer les commandes, ça c'est vraiment mon petit truc. La préparation de commandes, j'adore faire ça. Je sais pas, ça me détend, j'adore faire ça. J'adore. Donc je suis pressée et je suis trop contente. Allez, c'est parti. Bon, il est 13h28. Je viens de ramener les enfants à l'école. C'est moi qui les ai ramenés aujourd'hui. Puisque David, comme je vous l'ai dit, enfin comme il vous l'a dit et comme on vous l'a dit, il passe son examen. Aujourd'hui, donc il n'est pas là, donc j'ai ramené les enfants là tout à l'heure, mais c'est vrai que en fait le truc c'est que j'arrête pas de faire des allers-retours, des trucs, ça fait que de me couper dans mon travail et vu que j'ai énormément de commandes, regardez là, la pile, j'ai plein de colis partout, je suis en train de faire toutes les étiquettes et les étiquettes c'est ce qu'il y a de plus long. Alors Mondial Relais, les étiquettes c'est rapide, mais alors la poste. Je dois tout rentrer un à un, les clients et tout, l'adresse, les numéros de téléphone, les... Oh, c'est super long. Il faut que je trouve une solution pour aller plus vite parce que ça me prend énormément de temps. Après, il faut que je rentre tous les numéros de suivi moi-même à la main et tout. Voilà, donc en fait, c'est très compliqué et très long à faire ça. Et je pense que même... je regrette déjà maintenant d'avoir pris... l'hébergeur que j'ai aujourd'hui pour mon site internet, j'aurais dû prendre un autre en fait. C'est en essayant qu'on apprend, j'ai envie de vous dire, mais ouais, j'aurais dû partir sur un autre hébergeur et je sais déjà lequel j'aurais dû prendre. Maintenant c'est trop tard, j'ai payé le site pour 1 an, donc je vais pas changer. Mais je pense que si tout va bien et si ça fonctionne encore toujours aussi bien, d'ici 1 an je changerai d'hébergeur. Parce que l'hébergeur que j'ai, il est vraiment pas top. Franchement, il est vraiment pas top du tout. Alors après, il est bien en soi. C'est quand même facile à gérer tous les commandes. C'est fonctionnel et tout ce que vous voulez. C'est surtout en fait, au niveau de l'envoi que je trouve ça un peu bof en fait. Les livraisons, le suivi, tout ça, je sais pas, c'est pas ouf. Donc voilà. Donc je vais changer, je pense, dans 1 an. Si mon site est toujours encore actif, n'est-ce pas? J'arrête pas de me mettre cette huile à la mangue Fruit Burst. Elle est tellement, mais tellement agréable. Elle est vraiment trop trop bien. C'est un roll-on et l'effet sur les lèvres c'est hyper sucré et tout. Enfin j'adore. Allez, je m'y remets parce que il me reste plus beaucoup là quand même. Et après je vais tout déposer à la poste Mondial Relais. Et voilà. Et après il faut que je rentre absolument faire mon montage. Oui, parce que j'ai des tonnes de trucs à faire. Donc je rentre, je fais mon montage. Et ce soir on est invité à manger raclette. Voilà, donc il faut que je fasse tout ça avant d'aller manger raclette. Ça va être sport, sport, sport. Pouf! Quelle journée à 100 à l'heure. Vraiment. Je vous explique même pas le bazar que ça a été pour faire mes étiquettes pour la poste. Vous savez, je vous avais dit que les étiquettes la poste c'était le plus long à faire, c'était le plus contraignant parce qu'il fallait tout que je fasse un à un, copier-coller, copier-coller, copier. Enfin, que faire des trucs comme ça, des manips et tout avec la souris. Des fois, je sens plus mes doigts tellement je fais que. Tac, 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 tu sais. Et en fait j'ai essayé leur nouveau service, ouais parce que j'adore le site de la poste, je vous avais déjà dit, ça fait que de bugger, c'est une catastrophe. Et j'ai essayé leur nouveau service de, en fait tu peux imprimer jusqu'à 25 étiquettes de colis. Et en fait à la place de tout remplir un à un, je remplis juste le destin. En fait j'ajoute les colis, par exemple les colis qui font jusqu'à 500 grammes. Par exemple quand je sais qu'il m'en faut 7, j'en ajoute 7 dans le panier, quand il me faut des colis à 1 kg j'en ajoute 3, etc. Et j'ai juste à remplir le destinataire, l'adresse et tout ça, et j'ai pas de manip à faire. En fait il y a des pré-réglages de fait direct, et je me suis dit tiens ça pourrait me faire gagner du temps et tout, ça a l'air cool. J'avais tout terminé, j'avais tous mes colis, j'en avais 15 en tout, 15 étiquettes à faire, j'avais tout fini. Je commence à appuyer sur ajouter au panier, et là message d'erreur, ce service est momentanément indisponible. Et tu sais ce message d'erreur que tu as envie de péter un cap quand tu vois ça, t'es là. Au début j'ai fait comme ça, la première fois que ça a apparu j'étais comme ça. T'inquiète, ça va le faire. C'est juste que ça a un petit peu ramé. Je vais coller mon étiquette, donc celle que je devais faire avant. Je vais coller l'étiquette et je vais revenir sur l'ordi, je vais ajouter dans le panier et ça va marcher. C'est garder ton calme. Deuxième fois, ajouter au panier. Ce service est momentanément indisponible, venir essayer ultérieurement. Là tu te dis, c'est la deuxième fois, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. 3, 4, 5, tu te dis non mais là non, je vais pas perdre toutes les données que je viens de rentrer parce que ça faisait déjà 1 heure, j'étais dessus, je pouvais pas. Et donc 6, 7, 8 fois, ça ne fonctionnait pas, c'était l'enfer. Donc c'est le truc que tu fais jamais, mais tu vas dans le chat là, demander de l'aide machin. Donc, je vais dans le chat et je leur dis voilà, je leur explique et tout. Et là t'as la gonzasse qui dit ouais est-ce que vous avez une adresse en rouge? Je regarde toutes les adresses, j'avais aucune adresse en rouge. Elle me dit vous avez un caractère spécial dans votre adresse que vous avez rentré dans un de vos clients? J'ai dit non. Est-ce qu'à la place de Sainte, vous savez quand c'est Sainte Marie par exemple, ben à la place de Sainte, est-ce que vous avez écrit S-I-N-T-E ou S-T? Parce qu'il faut écrire S-T. Et en fait ça le corrige automatiquement normalement sur le site de la poste direct. Et je dis non je pense pas. Elle me dit ou alors je dis attendez je vais quand même regarder. Et elle me dit si ce service vous a plu, merci, au revoir. Et genre en fait elle a coupé le chat. Mais mon problème n'était toujours pas réglé en fait. Et bref, ça n'a pas marché, j'ai dû tout réécrire un à un, mais cette fois-ci avec la manip de faire le colis en point relais, à livrer à la boîte aux lettres, etc. Enfin bref. Et donc là, il est déjà 15 h. Je vais enfin à la poste et au Mondial Relais. Voilà. Mais j'aurais dû y aller bien avant, parce que je vous dis, là je vais faire l'aller-retour, je vais rentrer, je vais faire mon montage. Et alors je vous dis que j'ai mis du temps aussi parce que bah du coup j'ai tout de suite rentré les numéros de suivi aussi dans le truc, comme ça j'ai plus rien à faire. Parce que bah, déjà ce soir on sera pas à la maison, donc impossible de m'avancer sur le boulot quoi. Et voilà. Et donc j'ai totalisé 30 avait des brumes parfumées, des brumes linge textile. En l'occurrence, l'odeur fraîcheur coton que tout le monde, mais c'est arraché, mais un truc de fou. Ils la font plus en 100 ml, je suis dégoûtée. En fait, ils ont une grosse rupture sur le 100 ml. Donc bah du coup je vous ai commandé en 500 ml. Voilà, bon, donc forcément ce sera plus cher et il y aura plus de contenance forcément quoi. À savoir que le 100 ml sur mon site était à 8 € et le 500 ml sera du coup à 24,90 €. Voilà, voilà, sachant que ça vaut quand même le coup puisqu'il y a 500 ml donc 5 fois plus que le sang, hein, forcément. Allez, je sais, je vous dis des calculs tout à fait cons, mais voilà, il y a quand même 5 fois plus de liquide, et voilà, et c'est un 500 ml quoi. Alors voilà, donc je vais en faire rentrer, mais voilà, il faut savoir que ce sera des 500 ml et ce sera pas des 100 ml comme avant. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, mais je suis sûre que ça vous plaira parce que déjà le 100 ml est parti, mais comme de ouf quoi. Donc là le 500. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, il est 18 h 52. Aria est allée à la danse entre temps, elle est revenue aussi. Et David aussi est rentré, Evan est rentré, enfin bref, tout le monde est rentré. Tout le monde est à la maison. Donc là je vais vider le lave-vaisselle. J'ai terminé mon montage aussi, parce que ça aussi du coup. J'ai dû enchaîner en fait dès que je suis rentrée d'avoir déposé les colis. Je suis rentrée, j'ai commencé à faire mon montage. Après il fallait que j'aille chercher les enfants. Non mais j'ai fait que des allers-retours, je vous jure, j'en pouvais plus à la fin. En fait j'avais l'impression de faire que ça, de sauter dans ma voiture, de ressortir, enfin que ça tu vois. Bref, et je me suis dit je sais pas comment ça se fait que ma voiture, le démarreur fonctionne encore hein, parce qu'avec tout ce que je lui mets dans la tronche le truc tu sais je me dis un jour elle va me claquer et ce sera le démarreur avec tout ce que je démarre, redémarrer et tout la voiture. Enfin cette journée est passée, enfin pas encore mais bon c'est déjà une bonne chose de fait déjà. Toutes les commandes, le vlog, tout. J'ai juste la miniature à faire d'ailleurs avant de partir, il faut que je le fasse. Bon, sinon, comment ça s'est passé l'examen? Tu veux un peu nous raconter? Non, pas encore. On verra demain. On verra demain. On vous dira demain. Comment ça s'est passé? On vous dira demain avec la réponse. Moi, je m'en sors plus avec la vaisselle là. J'ai pas envie de refaire. Mais il faut que je fasse encore mon montage. Non, ma miniature. Miniature, barre d'infos aussi. Barre d'infos, j'ai pas mal de trucs à mettre en plus. Donc ça va me prendre du temps. En fait, j'ai qu'une envie là, tout de suite. C'est de me mettre dans mon lit et de lire mon bouquin, tu vois, et c'est le seul truc dont j'ai envie là. Parce que là, les écrans, c'est bon quoi. Toute la journée sur l'ordi, toute la journée sur le téléphone, mes yeux, c'est pas le top quoi. Mais bon, Zegonza. En tout cas, ouais, je suis trop contente parce que c'est un truc de fou. À chaque fois le nombre de commandes que je reçois et tout, je suis trop impressionnée. À chaque fois je me dis ouais mais c'est fou quoi, c'est fou tout ce que je reçois comme commande et je suis trop contente. Trop contente. Bon et sinon demain je suis contente quand même que ce soit mercredi. Juste parce que je me dis que demain je vais pas me lever, enfin non, juste parce que demain je me dis je vais pas m'embêter à lever les enfants parce qu'ils ne veulent pas se lever. C'est très compliqué, je sais pas si je vous l'ai dit ce matin ou si c'était un autre jour. Mais c'est compliqué de ouf de les lever en ce moment. C'est fou, ils ne veulent plus se lever. C'est incroyable. Alors Evan non parce que lui il se lève tout seul. Mais alors Nolan c'est une cata. Une cata. Il ne veut plus se lever, il reste dans son lit. On doit partir à 8 h 20. Nolan se réveille à 8 h 15. Voilà, pour vous dire à quel point il ne veut plus se réveiller hein. Et pourtant c'est pas faute de le réveiller à 7h30 hein, et d'y aller plusieurs fois pour le réveiller, pour le machin, le stimuler, allumer la lumière, machin, tout ce que vous voulez hein. Ah bah non, il se lève plus, du tout. C'est fou. Donc tiens, ça aussi du coup en même temps je dis vivement les vacances hein, avec des gros guillemets hein. Juste pour pas devoir les réveiller et juste pour pas qu'il y ait des devoirs tous les soirs, ça aussi. Parce que les devoirs en ce moment pareil, hein, on en pète. On n'a plus envie, de leur faire. Et puis je clôture le vlog là, j'espère qu'il vous aura plu. On a été invités chez nos voisins à manger raclette pour l'anniversaire de Samantha. Merci à vous Sam et Joris, gros bisous à tout le monde et à demain.